réseaux sociaux, comme vous êtes venus sur les réseaux sociaux, vous êtes venus, les maudits blogueurs, je m'adresse aux maudits blogueurs. Les maudits blogueurs, vous savez, au RPZ, il y a des communicants, il y a des maudits blogueurs. Les communicants, c'est des personnes que le RPZ même reconnaît. Après le vol de Alpha Condé, là, parce que c'est un voleur, RPZ a sorti un communiqué. Ils disent qu'ils ont l'air communicants à Conakry. Ils ne reconnaissent pas les maudits blogueurs là. Si on n'est pas maudit, on ne va pas passer tout son temps, parce qu'on a vu des gens qui ont même pleuré sur les réseaux sociaux. On ne va pas passer tout son temps à raconter de la merde, à raconter des sottises, à raconter du n'importe quoi, sauf du sérieux. Les maudits blogueurs, personne ne vous croit, personne ne vous considère. On a fait tous ces combats là, personne ne nous respecte. Personne ne nous considère. Quel combat? Vous avez fait quel combat? Prendre le téléphone, c'est ce que vous appelez faire le combat. Parce que Dawyana, il téléphone Tongo, celui d'elle ne vous connaît pas, il ne vous considère même pas. Du matin au soir, du 1er au 30e, c'est lui d'elle. Si ce n'est pas maudit, là, je dis que vous êtes maudit. Mais tout récemment, là, symbolique, a été corrigé autrement. À Soaïra, démocratie, à Krikratara. Vous avez trouvé une excuse. Si Tatakourou a réagi, lui, il a raison. Parce que le maudit, là, Tokounou, il a insulté la maman de Tatakourou, il n'a rien fait. Et vous trouvez une explication pour la maman de Sembole. C'est vrai. Nathan, Amak de Falamaya, Narali Falamaya a dit, vous y préparez. Parce que, à point depuis le premier, Hanyiki, alors, Mérina, ça n'a rien à voir avec ceux qui vont insulter sa maman. Ça je vous le dis. Donc, est-ce que vous comprenez? Ils disent que non, parce que Symbolique a partagé une vidéo du maudit Tokunula, que c'est à cause de ça, ce dernier a insulté la maman de ce dernier. C'est l'explication là qu'il trouve. Et pourtant, vous venez sur ma page, vous prenez une vidéo, vous prenez une petite partie pour aller donner une autre connotation à cette vidéo. La vidéo que j'ai eu à réaliser avec Tidiane et avec plein de personnes, ils partent prendre une petite partie de la vidéo de Tidiane pour aller interpréter à leur manière. Mais hé, on a fait qu'un fala oubé. On a un modèle là-bas. On a un modèle là-bas. On a un modèle là-bas. Ils ne sont rien, ils ne sont absolument rien. Ils ne valent absolument rien. Vous avez passé toute une année à raconter de la merde ici. Alpha Condé est bâtisseur, Alpha Condé est descendu, Alpha Condé est monté, Alpha Condé a fait ceci, il a fait cela. Terminus, on vous a dit, on ne vous reconnaît pas. Hein. Arrêtez de parler au nom du RPG. Tout le monde a vu ça. Et vous êtes venu pleurer ici. J'ai mené un combat. C'est quel combat ça? C'est quel genre de combat? Il faut dire que la folie que vous avez eu à faire. Folie. Parce que vous connaissez tout le monde. Wabirinkolo. Au lieu de dire le nom des gens. Ouyadoromane. Ouassalo. Et puis, mais je ne sais pas quoi. Du matin au soir. Une personne parmi eux peut faire plus de 5 vidéos par jour. Terminus. Ouais, on a perdu tout ce temps. On ne nous a pas reconnu à Soriki, à Miniriki. Non. Des maudits réunis comme ça là. Le temps que vous faites comme ça là, assis, à faire des vidéos, aide-fora. Des maudits réunis comme ça là. Moumara Falaoube, vous êtes en asile là-bas. Vous êtes en asile Foteta. Vous êtes en asile. Vous bénéficiez de l'asile politique. Parce que la Guinée, ça ne va pas. Et c'est vous qui savez dire, ouais, Alpha Condé travaille. Ouais, Alpha Condé est ceci. Alpha Condé est cela. Moumara Falaoube, on vous avertit. Hein? On vous avertit. Des maudits réunis comme ça là. Hein? Non, si ce n'est pas maudit là, vous allez avoir honte de vous flanquer devant les téléphones encore et nous raconter autre chose.
C'est ça. Quand je dis des maudits blogueurs, là, je n'ai pas de commentaire. C'est pas à vous que je parle. Parce que moi, je bloque déjà. Je bloque encore. Celui qui insulte, je te bloque. Tu vas créer un autre compte. Tu viens, tu mets plus de 10 minutes pour créer un autre compte. Tu viens, je le bloque en 2 secondes. Je fais kik kik. Allo Magbana, Konyankera Magbana, c'est des contacts. Kik kik. Aïe, je te bloque. Donc, si vous faites des commentaires là, il faut critiquer. Parce que les critiques ne sont pas interdites. Il faut critiquer les idées. Ce n'est pas interdit. Mais un comité, tac, n'a de remanable. J'ai bloqué plein de comptes comme ça là. Des maudits comme ça là. Oba maudiyama. Hein? Moi, je suis dans mon bureau comme ça. Go. Quand vous me voyez faire des vidéos là, parce que je suis en pause. Je suis en pause. Si je ne suis pas en pause là, je travaille. Je peux faire un jour sans faire de vidéo parce que j'ai pas eu le temps. C'est qu'à ma pause, je suis fatigué. Je préfère me reposer. Donc maintenant là, je suis en pause. Je fais vidéo. Ensuite, je continue mon travail. On n'est pas pareil. On ne quitte pas. Il y a ma seconde à l'envalerie. Pourquoi chatato et amar fin de fatigue et corona là. Des maudits comme ça là. Barkataria mundum faniki. C'est quel genre de barkataria? Et moi, tu te quel me bourra quoi? Dina niraba, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Mais il faut arrêter maintenant. Arrête. En tout cas, symbolique a donné le ton. A toi, so, tokunuira. Voilà, elle a tokunia marne mungina komiana. L'éducation que son papa ne lui a pas donnée, c'est l'éducation là qui symbolique lui a donnée. En cinq minutes, l'éducation qu'il n'a pas reçu depuis sa naissance, symbolique l'a assuré. Et ses parents même vont prier pour symbolique. Parce que et t'as gagné normalement symbolique n'a pas. En une fraction de seconde. Tac, tac. N'tamou d'écrit comme dans mon rêve ou ma gouin. Mon médaille n'a pas ma ouïe. N'a pas son rêve, il a sa ma commande. C'est dans comment il va se retrouver. Tu les vois, mais je sais pas comment. Et puis ils mentent, tu te rends compte qu'ils sont en train de mentir et puis ils se plaisent dans ça quoi. C'est quel maudit à ça? Tu mens, les gens savent pertinemment que tu mens. Et puis il y a talent ma quoi, et ne m'a concoré mirema. Et ne m'a concoré mirema. Et ne m'a concoré mirema. Hey, moi j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps de vous classer là. Je finis de faire ma vidéo là. Je me couche ou je continue à faire mon travail. C'est tout. Agbago tarama. Hey, Magi, nantum publicité là-bas. Faudrait envoyer une publicité, Mounana. Faudrait une publicité là-bas. Des maudits comme ça là. Voilà ça, Walien. Voilà ça, Barca FM. Voilà la situation fait. Mais tous ceux qui ont asile politique là. Voilà, yala. Mouna de Romane Obili. On a dénoncé mané. Sans même réfléchir une seule minute. On va vous dire. En tout cas, tous ceux qui sont en train de s'afficher sur les réseaux sociaux, on va dire que l'engouement commence à baisser parce qu'ils sont avertis. Il y en a qui racontaient des maudits, des sottises. Ils ont commencé à comprendre que hey, les gens là, ils sont très mauvais. Ils peuvent me gâter en une fraction de seconde. Ils ont commencé à baisser. Voilà. Attendez, je vais prendre. Deux appels comme ça là, Ntanga continue. Mawalima, déposez les appels. Je vais prendre. Au Kata, au Fanga, Barke Fing. Au Barke Fing. Des maudits comme ça là. Et mon homme cessera. Et puis, c'est eux qui savent critiquer ce que les autres font. C'est eux qui savent critiquer ça là. Montrez pour vous maintenant. Gaudin, tu me vois en live, tu m'appelles encore. Faut arrêter. Est-ce que vous voyez? Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Walou. Des maudits comme ça là. L'enfant chéri de Tokuno. Ah, on va y voir la main. Pour l'enfant chéri de Tokuno. Ouais, l'enfant chéri de Tokuno, il faut prendre l'appel là.
bien si tu as peur là. Bon, peut-être qu'il a peur de prendre un mais pourtant son nom c'est l'enfant chéri de Tokunou. Je ne sais pas si c'est un frère du Tokunou ou pas. Donc, je passe au second. Bascott Lagné, sûrement c'est Fonke Kuntigi. Bonsoir, bonsoir, officier. Symbolique révolutionnaire, amour et matin sur nos réseaux sociaux. Parce que nous, on n'est pas des blogueurs, nous, on est des influenceurs. Nous, on n'est pas des blogueurs, nous, on n'est pas des blogueurs ni communicants d'un parti politique. Nous, on est des activistes influenceurs. Ouais, ça c'est vrai. Alerte a été donnée par rapport à tous les différents partis politiques de l'opposition. Là, nous allons faire des écrits. Le petit et Kaba d'ailleurs, je peux dire qu'il a été corrigé parce que c'est un jeune qui est mal éduqué. Il fallait le corriger. Qui a été corrigé. C'est un jeune qui a traversé la mer Méditerranée. En passant par Libye, il a séjourné en Italie avant de venir faire sa demande d'asile politique. Ceux qui disent que nous sommes contre le bonheur des Guinéens, nous ne sommes pas contre le bonheur des Guinéens. Mais ça fait vraiment honte lorsque vous critiquez un parti politique, vous ne faites pas partie d'un parti politique et que vous demandez l'asile politique au nom de ces partis-là. Ça fait vraiment honte, c'est la honte. Moi, je ne peux pas demander l'asile politique au nom de l'UFDZ, alors que je ne suis pas militant de l'UFDZ. Je ne peux pas demander l'asile politique au nom d'un parti politique, d'ailleurs que je ne suis pas militant. Je suis un activiste. Mais les agences-là, nous allons les traquer un à un. L'équipe-là, cette fois-ci, on a alerté, on a alerté tous ceux qui savent que réellement, ils ont bénéficié de la protection internationale à travers le monde. Toutes les personnes qui savent réellement, c'est des refusés politiques qui s'attaquent à les activistes qui défendent l'intérêt général de ces pays en profitant de l'aide sociale de différents pays pour subvenir à leurs besoins. Nous allons les traquer. Critiquer une personne, on s'en fout. Moutamouna, le Guinéen, qui est contre les réformes en Europe, nous ne sommes pas contre eux. Mais les personnes qui s'attaquent à des activistes, qui font des injures publiques, qui ont demandé la protection en tant que mineurs, qui ont demandé la protection en tant que refugiés, qui ont demandé la protection de leurs filles parce que tout simplement, il a l'exigence, c'est nous. Nous allons les traquer un à un. Tolérance zéro. Il n'y a pas que le parti de l'UFDZ. C'est tous les partis, que ce soit FNDC, PDN, UFR, UFDZ, tous les partis de l'opposition. Personne n'a le droit maintenant de délivrer. J'ai été en contact parce que moi j'ai été écolo. On a reçu beaucoup d'appels à travers les leaders de l'opposition, des fédérations, tout. Les gens là, c'est des ignorants. Comment que toi tu peux défendre le projet de société d'un parti politique qui est au pouvoir, étant à l'étranger? C'est la honte. Et lorsque moi, je vais décider de défendre un parti au pouvoir, ça ne va pas me trouver à l'étranger, grand frère. Ça va me trouver au pays. Parce que je sais que le parti que je suis en train de défendre là. Oui, je t'écoute, grand. Non, c'est bon. Voilà. Merci. Le parti, par exemple. On voit et les problèmes internes qui règnent entre les petits communicants là, parce que c'est les petits communicants, il ne faut même pas les accorder de l'importance. Nous, notre cible, c'est qui? Notre cible, c'est le président de la République, le gouvernement. Nous sommes en conflit avec M. Alpha Condé. Nous ne sommes pas en conflit avec une communauté ou avec un parti politique. Notre cible, c'est M. Alpha Condé, et M. Alpha Condé doivent dégager maintenant, parce que son pouvoir est illégal. C'est ça la vérité. Il faut que nous soyons clairs. Et nous avons réussi aujourd'hui à mettre notre équipe en place. On est en train de faire des démarches.
on a écrit déjà, une lettre sera rédigée après les congés, adressée à la Cour européenne. Nous allons le faire. Nous allons rédiger une autre aussi adressée à une Nation unie. Amnesty International, on est en train d'élaborer tous ces plans. Il faut compiler leurs vidéos. Il faut compiler leurs vidéos. Non, avec leurs vidéos, on a leurs vidéos. On a leurs vidéos. On a beaucoup de leurs vidéos. On a beaucoup de leurs vidéos qui ont été enregistrées. Ou la manière qu'ils se sont exprimés, la manière qu'ils se sont attaqués, tout. On va les montrer que réellement, c'est la loi qui règne ici. Ce n'est pas la loi du plus fort. On n'est pas en Guinée. Hein. On n'est pas en Guinée. Le combat. On là, le temps à dessus. Voilà. Parce que vu que tu n'as pas beaucoup de temps, grand frère, je vais te laisser. Mais merci. Oui. Merci, Fonke Kuntiki. Et voilà, on est ensemble. On allait beaucoup plus détailler sur ça, mais malheureusement, c'est le temps qui me manque, quoi. Et puis, je vais dire à ces maudits blogueurs-là, celui qui a papier, là, n'a pas besoin de se justifier. Tu t'en fous, quoi. Qu'on te dise que tu n'as pas papier. Mais quand tu vois quelqu'un, là, il a toutes les difficultés du monde. Ça veut dire qu'il cherche des preuves par tous les moyens pour prouver qu'il a papier, là. Quelque part, là, ça va pas. Soit ça va pas dans sa tête ou il manque. C'est un menteur. Moi, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit que je n'ai pas papier. Et pourtant, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas papier. Mais je peux voyager, aller en Guinée. Ce n'est pas en Italie que je vais, mais c'est en Guinée je vais. Donc, si on peut sortir de ton pays, tu vas en Afrique, tu reviens encore, si tu n'as pas papier, tu t'en fous. Je n'ai pas besoin de justifier que j'ai papier ou pas. Je m'en fous de ça. Yaris, merci pour le message. Et voilà, merci à tout le monde. Mon temps, time is money. Donc, c'est ça. Donc, maudit blogueur, je reviendrai avec ça. Je reviendrai encore. Vous carrez na un mois d'août n'yaré. Parce que vous faites des magarumbine. Des maudits comme ça là. Ciao, ciao. Et voilà, voilà. Coucou à Fasma. Et voilà. Et j'ai oublié le nom de la page, mais c'est. Le combat. Voilà, c'est pas grave quoi. On reviendra sur ça quoi. Voilà,